Retour à la case départ en Égypte, autrement dit sur la place Tahrir au Caire. Près de 8 mois après la chute du président Moubarak, des milliers de manifestants se sont de nouveau massés dans le centre de la capitale égyptienne. Leur mot d'ordre, récupérer la révolution qui, selon eux, leur a été confisquée par le pouvoir militaire de transition. Nous réclamons que les lois sur l'état d'urgence soient révoquées, dit cet avocat égyptien. Nous demandons aussi que les futures élections législatives ne permettent pas à des candidats issus de l'ancien parti au pouvoir d'être réélus. Les derniers mois ont inquiété le peuple qui a perdu la foi en ce conseil militaire au pouvoir, estime cette égyptienne, et il pourrait bientôt perdre confiance envers le Premier ministre. Le chef du Conseil suprême des forces armées, le maréchal Tantawi, n'est autre que l'ancien ministre de la Défense. Il est resté aux côtés de Hosni Moubarak pendant 20 ans. Les Égyptiens qui ont renversé le régime l'accusent désormais de retarder volontairement le retour à un pouvoir civil.